17 ans, j'ai vu mon premier dessin dans la presse. J'étais très fier. Il y avait le grand journal de Genève qui s'appelait La Suisse. J'avais envoyé un dessin déjà politique, en fait, une BD sur le Noël éthiopien. La résidence d'Éthiopie à Genève faisait des dépenses fastueuses. Ils avaient refait leur piscine, je crois, alors qu'il y avait la famine en Éthiopie. Voilà. Et ce machin est paru. Et je me souviens que mon père a crié dans le salon un samedi matin, « C'est mon fils !» Et en fait, j'avais accompli mon but qui était d'épater mon papa. J'habitais à New York, je suis revenu en 1998 quand on a lancé l'OTAN. On a tout de suite fait le choix d'avoir le dessin de presse en une. On avait la couleur en une, mais moi j'ai choisi pendant quelques années de dessiner en noir et blanc. C'était un choix esthétique. Et le tout premier, je me souviens que c'était Kofi Annan aux Nations Unies. Ça, c'était la première une du temps en mars 1998, je pense. Et ensuite, le dessin n'a jamais quitté la une du temps. Il y a eu les guerres des Balkans, avec des dessins extrêmement noirs, avec une vision assez manichéenne, hein, les méchants serbes, et puis l'OTAN qui se garde bien d'intervenir, en tout cas pas trop vite. Edmond Kaiser, qui avait créé l'ONG Sentinelle et qui dénonçait les dictatures, m'avait appelé en me disant « Votre dessin est d'une force !» Oui, il y a eu des périodes très noires. Puis après, je me suis un peu laissé aller. Je me suis laissé utiliser la couleur et puis j'ai un peu arrondi mon dessin. C'est peut-être une règle du dessin de presse que si on peut faire passer un message profond ou même dur avec une certaine légèreté, qui est aussi celle de l'humour qu'il y a dans le dessin, ben c'est pas mal. Ce qui est marrant dans le dessin de presse, c'est qu'il y a des dessins qu'on peut ressortir tels quels, en fait. Thème éternel, l'armée. Quand on a eu l'apparition du Viagra en Suisse, mesdames et messieurs, on a mis ce dessin en une et qui nous a valu quelques réactions de parents qui ont dit « Voilà, mais quand même, j'ai le temps sur la table du salon. » Et je pense tout simplement inimaginable, par exemple, évidemment, qu'un journal anglo-saxon publie un tel dessin, et encore moins en une. Quand j'avais dessiné Berlusconi avec des filles autour de lui dans une décapotable et puis il y avait des soutiens-gorges qui volaient derrière la voiture, et on m'a demandé de remettre les soutiens-gorges sur les poitrines des filles, quoi. C'est tout le sens du dessin de presse. Le dessin de presse et l'humour se fait en connivence avec un public. C'est ça qui est intéressant. C'est trouver la bonne manière de toucher un public pour lui dire ce que moi j'ai envie de lui dire. Des dessins dont je me souviens et qui ont... C'est des images fortes. Et c'est des images assez simples, et c'est des dessins qu'on a mis souvent en grand format et qui sautaient à la figure. Quand je pense à l'assassinat de Ben Laden, on a mis ce dessin en une du temps, on l'a mis très très grand. Il y a un silence dans cette image, il y a un impact, comme ça. Et ce tout petit rappel de cette image qui a marqué l'inconscient collectif de l'humanité, c'est la trajectoire de cet avion. Je trouve que c'est un dessin qui a une puissance rare, parce que le dessin de presse, c'est pas de l'art, hein. On n'a pas une semaine pour réfléchir, c'est vraiment 2-3 heures pour trouver l'image, quoi. C'était un dessin un peu provoque, parce que je trouvais justement c'était intéressant d'être un peu à la limite, là, de... Ça devient un monde intéressant, parce qu'on se faisait traiter de sales gauchistes, les dessinateurs. Et puis maintenant, je sais pas de quoi on va se faire traiter, parce que il y a tout un courant, tout un activisme qui est, du coup, surtout à gauche, avec des nouvelles revendications qui sont identitaires et qui sont très empreintes de susceptibilité. Et on peut clairement se demander quelle place aura l'humour dans tout ça. Pour moi, ce n'est pas du tout incompatible. La liberté d'expression et la défense de ces nobles causes, ce n'est pas incompatible. Il ne faut juste pas vouloir faire taire les gens. Je vais devoir de plus en plus être confronté à des gens qui ne comprennent pas, parce que pour moi, c'est souvent des malentendus, ou qui veulent pas comprendre. Et la première conséquence, quand même la plus directe, ça a été la fin de ma collaboration au New York Times, due à des hypersensibilités par rapport à un dessin qui n'était pas de moi, qui a été jugé comme antisémite. Au lieu de débattre, ils ont décidé de supprimer le dessin de presse. Et ça, oui, alors là, ça, c'est une sacrée menace. C'est un espace de liberté qui se ferme, et c'est la chose à ne pas faire. Ils nous ont montré ce qu'il ne faut pas faire, à savoir... reculer, se taire et renoncer à, même à la forme de débat qu'est le dessin de presse, juste parce que c'est compliqué. Bah oui, c'est compliqué la liberté d'expression et c'est compliqué le débat. Mais c'est essentiel. Et l'humour aussi.